chapitre de l'épineux dossier de la succession Hallyday, l'emprise de Daniel Boudou sur sa fille Laetitia et son gendre Johnny. Celle-ci vient d'être évoquée par Pascal Nègre, longtemps en charge du Rocket. Au début des années 2000, sous l'emprise de son beau-père André Boudou, Johnny Hallyday attaquait sa maison de disques historique Universal. À la tête de la société à l'époque, Pascal Nègre se souvient très bien de cette trahison de trop, venant d'un de ses meilleurs artistes. Sur son mur Facebook, l'ex-patron d'Universal rappelle combien Johnny Hallyday était sous la coupe de son beau-père en diffusant une « enquête de libération » datée de 2005, intitulée « Le business Hallyday, affaire de « belle famille ». En guise de légende, ce partage, l'ex-juré de la Star Academy, écrit pour ceux qui tombent de leur chaise, un article qui date d'une petite quinzaine d'années, sa façon à lui de commenter, l'épineuse succession de Johnny Hallyday, qui ne cesse de faire des vagues depuis que nous avons appris que le Rocket avait déshérité sa fille Laura et son fils David au profit de Laetitia. Dans ce papier de Libération daté du 15 février 2005, Cédric Mathéo n'épargne personne. Ni André Boudou, que ses détracteurs décrivent comme un petit voyou, un plouc, qui acceptait de parler en déclarant que Johnny c'est chanteur, pas conteur, rappelant que lui, si barre oblique, ni l'idole des jeunes qui passent tout au long de l'article pour une marionnette, manipulée par la bande à Boudou, qui lui faisait prendre des risques dans le monde de la nuit, la catastrophe industrielle de la discothèque, l'amnésie à Paris, de la musique, attaquer Universal devait lui rapporter 10 millions d'euros. Il a, en fait, perdu beaucoup d'argent, et l'amitié, le vide fait autour de lui courant 2000, fait qu'au jour tirer lui les langues se délient. En guise de conclusion du papier de Libération, la mise en garde de Pascal Nègre, Johnny Hallyday, à l'époque, est citée. Il n'appartient qu'à toi que cela se termine en cauchemar dit mon apothéose. Fermez les guillemets, nous avons, au jour tiré lui, la triste réponse à cette missive vieille de 15 ans.